Euh, bonjour, euh, c'est Francisco, euh, votre enseignant d'espagnol de chez Digi school euh, Voilà, on va corriger le, le bac d'espagnol LV2. Euh, c'est un bac pas compliqué, euh, c'était euh, simple, c'est à propos de lieux et formes de pouvoir. On pouvait le traiter sous l'angle de lieux et formes de pouvoir ou sous l'angle de mythes et héros. Il faut utiliser des temps verbaux, présents indicatif, subjonctifs et les mots de liaison. Voilà. On va commencer par la correction. Je commence par la euh, correction L, mais la correction L par rapport à S ou S est exactement la même. Il change tout simplement la question, euh, la question 10. Dans la, la filière L, il y aura 10 questions. Dans la compréhension du texte, dans les autres filières, il y aura 9 questions. C'est-à-dire qu'on va traiter, euh, on va faire d'une pierre deux coups. On va faire, on va faire la première question. La première question. Hop. Voilà. Euh, euh, Document 1. Copia la frase correcta. L'artista Pachares quiere que su pintura sea solo decorativa. L'artiste paillardé ne no veut pas que sa pinture soit seulement uh, uh, décorative. La phrase uh, correcte est la B. L'artiste uh, paillardé ne no veut pas que sa pinture soit seulement décorative. Il dit demande la phrase uh, uh, correcte. C'est une un première parce que normalement lorsqu'on demande une phrase correcte, il faut se justifier. Ici, si, il n'y a pas de justification. Mais si vous avez comme, euh, il ne demande pas de justification, mais si vous avez eu le besoin de mettre une justification, la justification se, se trouve dans la ligne 1 et 2. « Para decorar las paredes de todos esos burgueses, yo no puedo, Pablo. » Ce n'était pas obligé de mettre cette phrase-là. Euh, C'est une première, parce que un moment, je n'avais pas vu, euh, du, euh, depuis que je suis Lovac bac, depuis 2011, des phrases comme ça, sans justification. Il dit copie la phrase correcte. Très bien. La question numéro 2. La question numéro 2. Payares est condition sociale modeste. Cite la phrase qui lui indique. Voilà. Ici, on doit citer vraiment la phrase qu'il indique. C'est vrai. Il était d'origine modeste. Et on va trouver la solution dans la, question, euh, dans la ligne numéro 3. Ayudando à mi padre, et à mon papa, qui' se mate à travailler, qu'il se tue dans son travail, et nadie s'accordera de son nom, et personne ne se souviendra de lui. C'est-à-dire c'est une personne humble, en personne qui qu ne sera pas reconnu par, par personne parce qu'il n'aura pas fait de grand choses. C'est le côté social de, de, côté, euh, de son papa, de, du papa de, de, du peintre Payarès. On va faire la question numéro 3. Euh, 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 Payares qui remarque une rupture avec la peinture traditionnelle. En effet, il voulait faire une autre façon de, de peindre. Aponte à quatre éléments qui le confirment. Dans cette partie-là, il y a plusieurs éléments. Ce que je vais dire, c'est ce que j'ai choisi comme ça. Mais il y a d'autres. Par exemple, le premier élément, je choisis la ligne 5. « Le monde nécessite une nouvelle perspective. Comme il y a l'adjectif nouvelle, perspective, nouveau, ça, le mot nouveau, nueva » ça implique une rupture avec la tradition, avec la peinture traditionnelle. Un deuxième élément, je choisis nouveau tono. Ça m'a plu parce qu'il y a à nouveau l'expression nouveau, nouveau, rupture avec la tradition. Un troisième élément, ligne 6, une nouvelle géométrie. Ça m'a plu cette structure-là parce qu'il y a à nouveau l'adjectif nouveau, nouveau. Et eh, quatrième élément, ligne 7, être dessiné d'une autre manière, d'une autre forme. Ça implique aussi une rupture avec, avec la tradition. On va attaquer la question euh, 4. Según Payares, la pintura debe representar la realidad. Copia el elemento del texto que le evidencia. Y si sí, no hay forcément plusieurs opciones, pas como la 3 que puede haber otras cuestiones. Si de, de la línea 10 a, a la línea 11. Hace el favor de mirar el mundo con todas sus caras. Píntalo con todo lo que tiene de terrible y humano. cest de Le monde tel comme c'est, avec toutes ses facettes de, de, de toutes les choses bonnes et mauvaises. Plutôt ici, remarque, les choses mauvaises, c'est la chose euh, qui est terrible. D'accord? Donc, la question 4, c'est de la ligne 10 à la ligne 11. Très bien, on va passer au document euh, 2. Au document 2. Hop! Uh, ah, no, ya el uh, uh, documento 2, sí, el documento 2, es la cuestión 5. ¿Dice si esta afirmación es verdadera o, fa o falsa? Cita la frase que lo demuestra. Um, uh, Pablo Picasso cambió su proyecto artístico inicial para la exposición universal de 1937. En efecto, oui. sí, afirmación verdadera. Yo la trufo Euh, de la ligne 2 à la ligne 3. Tenia un tema en mente, c'est-à-dire il avait déjà un projet dans la tête. Pero sucedió el bombardeo de Guernica, c'est-à-dire comme il est arrivé le bombardement de, de Guernica, il a dû de changer ses plans. Voilà, c'est cette euh, phrase qu'on on devrait euh, citer dans la question numéro 5. D'accord Très bien Da la cuestión número 6. Para Pablo Picasso el bombardeo de Vernica se transformó en obsesión. Ilustra esta afirmación con un elemento del texto. En efecto, él eh, 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 es devenido una obsesión. lo vemos en la línea 3 del documento uh, 2. Picasso ya no pudo hablar de otra cosa. Pablo Picasso n'a pas pu parler d'une autre chose. Pour lui, c'était Guernica, Guernica, Guernica et le bombardement de Guernica. C'est la phrase qui indique que ce, euh, le bombardement de Guernica est devenu quelque chose d'obsessif pour lui. Pour lui, pour tout le monde hein, aussi. Voilà. Alors, on va attaquer la question numéro 7. Elige la afirmación correcta y justifica con un elemento del texto. Y si, sobre todo, no tombe en el piège, Hay que choisir la respuesta correcta. Celle qui es falsa, on la laisse de côté. On la traite pas. On la justifie pas. Como si elle n'existait pas. ¿De acuerdo? Entonces dice: Según Pablo Picasso, un pintor no puede permanecer indiferente ante los dramas humanos. Debe representar únicamente el mundo en su dimensión estética. Evidentemente, la, la afirmación correcta es la A. No puede permanecer indiferente ante los dramas humanos. De la línea 14 a la línea 16. On lo trouve con cuestión. Como dice, ¿cómo es posible no interesarse por otras personas? ¿Cómo es posible no s'intéresser por d'autres personnes. Subir un tour de, à un ivoire et s'isoler de la vie, de la vie, qui apporte autant de choses bonnes. C'est-à-dire, il ne conçoit pas que le peintre vit à part de la société. C'est la phrase que je le trouvais sous forme d'interrogation la plus pertinente. Évidemment, il y a d'autres phrases qui peuvent justifier mais j'ai trouvé celle-ci bien plus une demande une phrase, une phrase interrogative avec l'interrogation du début à la fin, on voit bien clair et net que c'est une que c'est une phrase. D'accord Très bien, on va attaquer euh, la question numéro 8. El Guernica, le mural de Pablo Picasso est une manière de combattre la barbarie. Entre saca deux verbes qui le indiquent. Voilà, une nouveauté. Dans la question numéro 8, il nous demande pas citer une ligne, pas citer des éléments, pas citer deux phrases, rien. Il nous demande citer deux verbes, rien que deux verbes. Alors, les verbes les plus clairs, c'est le verbe attaquer, parce qu'il veut attaquer cette barbarie, et a enfrentar, que tous les deux se trouvent dans la ligne euh, 8. En plus, tout le monde sait bien que c'est un verbe. Parce que ça se trouve à la forme infinitive avec la terminaison du premier groupe. Pas de discussion, c'est de verbe clair et net que c'est « attaquer » et « enfrentar. D'accord Très bien. Alors, ici, il y a la question numéro 9 qui va répondre uniquement à euh, ce qui font euh, l'espagnol langue approfondie. Il nous demande, ah, tout de suite je vais revenir à, 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 à l'expression écrite pour les autres. Antes de atacar la cuestión francés. Pablo Picasso era un artista comprometido, engagé. Apunta dos elementos que lo confirman. Uh, dos elementos que lo confirman. Voilà, el primer elemento, línea 10, debía comprometerse como todo artista, uh, uh, como todo artista real, da la línea uh, 10. ¿De acuerdo? El segundo elemento es de la línea 13 a la línea 14. El artista es un ser político consciente de todos los acontecimientos desoladores, de actualidad, plezanteros que ocurren en el mundo y reaccionan ante ellos. ¿De acuerdo? Son los dos elementos que, uh, que confirman que el artista debe ser engajado. es decir, se debe uh, s'engager a, a, a todo lo que es real. L'artiste devient un être politicien, conscient de tout ce qui arrive. D'accord Alors, on va répondre à la question en français. Dans quelle mesure le document 3 illustre-t-il l'engagement du peintre Picasso Environ cinq lignes. Le document 3, on voit, le tableau, on voit un portrait de Picasso avec l'image d'une partie de son tableau. Euh, El et voilà, ici, ce qu'on doit dire, que oui, en effet, que le document 3, c'est une photographie de Picasso qui est en train de peindre El Guernica. C'est pourquoi il ne le montre pas tout entier. Euh, il montre une partie du tableau. Et, et qu'est-ce qu'on voit de, quelle, quelle partie on voit de ce tableau C'est la femme qui pleure à cause du bombardement. On verra que cette femme pleure et après il y a la maison brûlée de, 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 dans le tableau fini. Cette image bien sûr est universelle car elle montre les horreurs de la guerre civile et pas uniquement de la guerre civile, mais aussi d'autres guerres euh, dans le monde. D'accord Très bien. Maintenant on va, on va continuer avec les questions avec les questions de euh, euh, elle. Mais euh, les questions de L, l'expression écrite, on va faire L d'abord. On va faire L d'abord. Euh, et ensuite, euh, on fera mm, la pinture, l'expression écrite. On a passé euh, euh, les candidats qui nous composent le titre de LV1. D'accord euh, tout, 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 tout. Alors, appuyant nos documentos oh, » documents, je vais chercher ça. Los documentos que no composen el título. Mm, mm, mm. apoyándote en los documentos, comenta la frase del documento 2, la pintura no existe solo para decorar las paredes de las casas. ¿De ah, Ici, on doit parler que la pintura, en efecto, no hace, uh, no remplit y bien sûr, puede remplir la, uh, la misión decorativa de una casa. la mission de, que, euh, 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 de, de la beauté d'un objet d'une figure mais si l'art peut remplir euh, d'autres missions la sous transmission c'est la, la transmission du message là c'est très important avoir utilisé transmission de message Transmission mission de un message. D'accord Il y avait la transmission d'un message. Euh, le message que pour transmettre, c'est un message d'émotion. Il veut euh, mouvoir euh, le récepteur du message pour qu'il réfléchisse, euh, pour qu'il s'interroge sur la guerre et sur les victimes de la guerre. Par conséquent, le tableau, le tableau ne se limite pas uniquement à décorer le mur des maisons sinon qui fait d'autres missions, la mission de dénoncer des injustices, de mobiliser, d'aider à réfléchir, de partager la souffrance, de euh, saisir la réalité et pas uniquement faire la fonction décorative. Évidemment, il peut faire la fonction décorative. D'accord On va attaquer ensuite, ensuite la question de, bien que mesure, les documents unidos illustrent les aspects de la notion de lieu et forme de pouvoir. Ici, bien sûr, l'art, comme l'art... On a engagé l'artiste aussi bien Payares comme l'artiste Picasso. c'était deux peintres engagés. Ils voulaient ré, euh, euh, saisir la réalité. Ils voulaient dénoncer les injustices et les horreurs de la guerre. Par conséquent, c'est euh, le lieu de pouvoir, euh, le lieu ce serait les studios de l'artiste où il crée euh, la peinture. Euh, 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 les formes de pouvoir, on pourrait dire que là, c'est une forme de pouvoir parce qu'il a une capacité d'influence, une capacité de mobilisation euh, pour les personnes, pour qu'ils réfléchissent à partir des injustices. Euh, c'est une manière de saisir la réalité pour que euh, les mêmes erreurs ne se répètent pas dans l'avenir. Par conséquent, euh, euh, l'art, c'est une forme de pouvoir. Et en plus, euh, euh, dans, le, dans la filière EL, euh, ici, il y a le même sujet où on est traité aussi dans l'idée des mythes hieros. En effet, Picasso est un héros dans le sens qu'il a pris le risque euh, pour l'exposition universelle de 1937 de faire un tableau. Il ne savait pas qu'il allait gagner la guerre, euh, mais il savait qu'il devait dénoncer les injustices, quitte à qu'il puisse perdre euh, sa vie. Voilà, ça comme question. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Je mets mon petit micro. Alors, pour la question 2, est-ce qu'on pouvait mettre Bourguessa Ça te dit quelque chose Burguesa, alors c'est euh, euh, alors, -ce ce la, les... euh, la filière. Euh, euh, bon, comme ça coïncide, ah, c'est pas, pas grave. C'est pas grave parce que c'est euh, euh, la question de Payerès et, 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 et sous condition modale. cite la phrase euh, burguesa, 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 burguesa. Ah, elle est en train de préciser, attends. Euh, parce question que je ne trouve deux, pas paredes de Tolos esos burgueses est-ce que ça marche Oui, ça pourrait ouais, marcher bon. en super, effet, oui, oui en effet. C'est très vite donc parfait. Oui oui, tout à fait. Euh, est-ce que c'est valorisant de souligner les mots importants quand on répond à une question quand c'est dit apunta Non, apunta ce qui est important c'est que la phrase soit bien mise. Si c'est souligné chacun sa façon. C'est vrai que pour le correcteur ça aide à lire. C'est plus facile. Mm -hmm. Ça facilite la tâche. C'est tout simplement ça. Alors, ils ont pas mal de questions aussi sur les verbes. Toi, tu as utilisé attaquer, c'est ça At Attacar. Euh, ils ont euh, eu plein de doutes. Ils ont demandé est-ce que c'est possible de mettre luchar Ah, bien sûr. Defender si J'ai choisi parce que euh, j'ai trouvé que c'est du premier groupe. Oui, ça marche. Euh, oui, 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 luchar, c'est ça marche. Euh, hein. Tout à mis fait. Il n'y a pas de problème. Enfrenter aussi Comment Enfrenter. Enfrentar. Enfrentar. Enfrentar c'est celui-là bon. que, celui que j'ai utilisé aussi. Okay. Et qu'est-ce que je vois aussi c'est. Compromettre c'est. Com euh, oui, elle a mis irse, irse apparemment. Euh, irse Oui. Euh, irse bah non. Bon. Euh, bon. Les autres, le chart, il n'y a pas de doute. Compromettre c'est. Euh, j'ai des doutes ici. Okay. Ici j'ai des doutes. Euh, Playmotion qui nous dit si on dit que c'est vrai ou faux, que c'est correct mais que la justification est fausse. Est-ce qu'on aura quand même des points euh... On aura des points, ouais. mais pas tout. Hein. Pas tout, ouais. Euh, pour la question 9, j'ai cité la ligne 7 à 10 comme un des deux éléments demandés. Alors, il euh, 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 y euh, euh, uniquement hein, la question 9. Appunte à deux éléments qui le confirment. Je pense A, alors, à euh, C'est le, le document 2, hein euh, Alors, document 2, euh, la, euh, 10. Alors, euh, il, il, qu'est-ce uh, que, que, qu qu'il a mis euh, euh, J'ai cité la ligne 7 à 10 comme un des deux éléments demandés. Compromettido, euh, compromettido euh, 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 de que l'art entier. Euh, Picasso, comme artiste, devait attaquer. Oui, 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 en effet, super. tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. De toute façon, il y a plein, plein, plein de réponses. Ouais. Hein. Mais c'est correct, oui, tout à fait. Il euh, y a Serge qui nous dit dans l'expression écrite, j'ai fait une bêtise, genre à la fin, j'ai lâché un poner la plaza pour, pour dire prendre la place, sachant que prendre c'est tomar. Il a confondu donc euh, poner hein. et tomar, si j'ai compris. Hein. C'est pas terrible hein. Bon. <laughs> euh, pour la question sur le document 3, si on a parlé que de la partie Guernica et pas du portrait de Picasso, est-ce que ça pénalise euh, 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 non, non, ça pénalise pas. Euh, ce qui est important dans ce tableau le 3, c'est que Picasso, il n'a pas fini le, 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 le tableau. Mm -hmm. Par conséquent, il est engagé. Non, non, non. C'est euh, pas... Et en plus, le chronique n'est pas tout complet. On en partie parce que pourquoi il, il est dans son atelier, dans son studio. Okay. Euh, alors, il nous demande beaucoup aussi, euh, tu sais, dans l'expression écrite, ils ont mis... Euh, plus de lignes que prévu, et je crois qu'on en demandait 15 des lignes, et ils ont mis 20, ils ont mis 30. Est-ce qu'il y a. Ce qui se passe, lorsqu'on dépasse les lignes, l'histoire c'est la suivante. Euh, ça ne rapporte pas de points, mais s'il y a des fautes d'orthographe ou des fautes de concordance, on compte. C'est ça le problème. D'accord. C'est-à-dire, euh... c'est pas pénalisé, on va dire, tiens, euh, non, euh, on, 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 on lit jusqu'à la fin, mais on compte les fautes, mais pas les bonnes idées qui peut y avoir. D'accord. Euh, alors, Ornella qui nous demande si je mets juste la lettre de la réponse sans recopier entièrement la phrase. Euh, puis que je justifie directement. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il faut citer la phrase et ensuite il, expliquer? Il, 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 nous euh... il nous le demande, eh. ah, Il demande de citer Il non. nous le demande. Je suis d'accord qu'on pourrait le voir faire, mais il nous le demande. Ouais, je ne bon, sais pas dans quelle question. Quand même, la réponse, la réponse bonne, mais, euh, mais ils si la réponse est bonne, mais ils vont. Si la réponse est bonne, C'est la question à copier la phrase correcte. as dit copie la phrase correcte. Je ne peux pas mettre uniquement la, la lettre. Oui, ça marche. Non, non. Euh, tu, 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 tu. Je regarde un petit peu. Ah, Jérémy qui nous dit, moi j'ai fait le mauvais sujet. Il a fait le sujet des LVA et pas et pas de sa filière, enfin et pas des LV2 classique quoi. Est-ce qu'il va vraiment avoir zéro ou est-ce qu'ils vont corriger Les questions qui correspondent, ils vont le corriger. Ouais. Je pense pas qu'ils le, le, euh, qu le corrigeront sur la LVA. Euh, voilà exactement. Ok. Bon, mais bah, désolé, Jérémy. Euh... On nous demande aussi, moi j'ai fait quelques fautes d'orthographe sur, euh, sur des accords féminins, masculin est-ce que c'est vraiment. D'une manière générale, est-ce que la grammaire, ils sont vraiment durs, les correcteurs Ou est-ce qu'ils permettent quand même. La grammaire, la grammaire, quelques... le point un peu flexible qu'on a, c'est avec les accents graphiques, parce que c'est une, une chose complexe, mais masculin, féminin, ou, par exemple, un poro para, mm -hmm. ou par exemple, un cerro star ouf D'accord. C'est un peu, un peu dur, hein. Euh, et puis, bah, écoute, je crois qu'on ne va plus trop avoir le temps de poser des questions, donc on va pouvoir terminer. D'accord, voilà. très bien. Je vous souhaite bonne chance à, 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 à tout le monde. Que, euh, voilà. À, à bientôt.